De la façon dont tu l'as chanté, ça le ramène dans ton univers. Ça marche trop bien. C'est pile ça que j'avais en tête, mais en moins bien. Je sais pas pourquoi on est dans Jurassic Park. Oh, c'est pour ça que tu m'as dit. Mais tu mettras tes chaussettes après. C'est toi qui les as cachées. Mais non, j'ai pas caché tes chaussettes volontairement. C'est juste que depuis tout à l'heure, tu cherches tes chaussettes. Mais elles vont trop bien avec ma tenue. Des chaussettes pailletées, parce que je sais que t'aimes bien les chaussettes pailletées. J'adore les chaussettes pailletées. Je veux le 18. Non. Oui. C'est un savon. Infusé à l'indigo. On dit indigo, non? J'ai le droit de le mettre d'accord. À l'indigo. Je suis un peu enrhumé, mais je sens quand même. Sent bon. Hippo. Bah merci mon petit chat. De rien. On est le 4. Un Tamagotchi. T'es au courant qu'il va vivre 2 jours et il va mourir de faim. Mais tu vas bien t'en occuper. J'ai jamais eu de Tamagotchi, tu sais. On peut faire quelque chose pour qu'il éclose. Non, il va éclore bientôt, je pense. 7. Peut-être il va éclore, hein, tout seul. Je pense qu'il va éclore tout seul. Hein. Bon, t'auras qu'à filmer quand il éclose. Oui. Il a éclos. C'est quoi? Je sais pas. C'est un petit bonhomme. C'est pas ce que t'as eu. C'est pas sûr. Il a mangé un burger. Aujourd'hui, Magic m'a contacté pour savoir si je voulais faire une reprise de Strangers de Kenya Grace. La version est trop stylée, faut que je la prenne. Four le plus tôt possible, parce que c'est toujours comme ça. Donc, moi, pour apprendre les morceaux, ce que je fais, c'est que je les écoute en boucle. Du coup, je fais d'autres trucs en même temps. Donc là, je l'écoute. En même temps, je nourris mon Tamagotchi, qui a déjà 1 an. Et j'emballe les cadeaux en même temps. Je sais pas où vous en êtes dans vos cadeaux, mais je dirais que moi, je suis aux 2/3, je pense, à peu près. Always end the same. What it was me and you, and it goes like this. We get in your car and don't need to kiss me. Bees all over. Trop bien. Merci. De rien. Dis bonjour à la caméra, bébé. Bonjour caméra. Donc ça doit faire à peu près 2 ans qu'on n'a pas fait de shooting sur Nitohona. Ni sur l'Unis d'ailleurs. Donc là, on est en train de réfléchir un peu au lieu. Il y aura des photos en studio et des photos sur des lieux qu'on est en train de choisir là. Quelque chose à ajouter? Pour l'Unis, déjà, j'avais 3 idées que je trouvais cool. Du coup, ça, c'est des plus pour les trucs sur fond uni. Tu vois, ça, je pense que dans tous les cas, il en faut. On va faire ça sur fond vert pour pouvoir mettre les couleurs qu'on veut. Et sinon, j'avais ces 2 inspi-là que je trouvais stylés. Ouais, c'est cool ça. En fait, c'est Marcus dessus, je crois. Et celle-là. Il y a personne dessus, mais c'était juste pour le visuel. C'était pour les touches de jaune, vraiment dans les trucs naturels, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Des décors hyper épurés, genre de soit pelouse, soit plage, soit... Ouais. C'est bien, ouais, c'est cool, ça. Voilà. Et pour Nito, j'avais ce truc-là que j'aimais bien, d'un point de vue, tu vois, du décor. Et je me disais, ça fait un peu genre piscine et tout. Mais j'ai regardé toutes les piscines dans le coin et je vois aucune avec un truc comme ça. Genre piscine ou vieux hammam. Mais en fait, c'est tellement genre années 80-90 que ces trucs-là, ils n'existent plus trop, tu vois. Bah, c'est stylé, ouais. C'est des bonnes idées. Faut qu'on réfléchisse. Qu'on essaie de trouver ça dans le coin, quoi. C'est ça. C'est ça. Oh, trop mimi. Ça, j'irai dire des choses. Il y a plein de messages sur WhatsApp qui apparaissent. Ting, 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 ting. Et comme j'ai déjà fait ça hier en début d'après-midi vachement, bah là aujourd'hui ça me décourage. Donc voilà, on verra ça plus tard parce que j'ai envie de faire d'autres choses. On avait trouvé une idée de top line il y a longtemps sur un track de Lucas et Steve. Où c'était allé cette histoire? Je sais pas si le track a été envoyé. Boulevard des Arts, ils ont un projet électro qui s'appelle Trackhead. Ils cherchent en fait une top line et une voix. Et je suis retombé sur ce track et je me suis dit que ça pouvait vachement marcher. Et en effet, ça match plutôt bien, sauf à quelques endroits. Donc là, en fait, l'objectif, c'est de peaufiner. Ça, ça colle bien. Bon, c'est tout pitché parce que c'était pas la même tonade, donc ça fait What You Mug. Ça, c'est cool aussi. Les paroles, je crois qu'elles sont pas mal de ça. Ah, cool. Ouais. Pas tout, mais je voudrais plein de choses que je pense qu'on va garder. Voilà, on a bougé 2 petits trucs, mais en vrai, tout le reste, ça collait bien. Ouais. Faudrait essayer de trouver une armo. En vrai, c'est facile de trouver des armes qui collent, hein. Après. Maybe there is nothing but...
deuxième chanson de Trackhead et deuxième idée de Top Line. Bah, moi, en fait, j'avais fait ça à l'arrache, mais j'ai l'impression que la deuxième partie marche mieux que la première, tu me dis. Qu'est-ce qu'il y a ? Il est drôle. Et il y a un texte de Jean Dos. Ouais, ok. Alors. Call me maybe and I'll let you know. C'est aigu. Mais c'est un plus doux. Lovely, lovely. Nul. Lovely, lovely. Ok, et le refrain. Time is running out, darling, don't you see? Do you see? Do you see? Do you see? Loulou? Time is running out, darling, don't you see? Time is running out, darling, don't you see? Est-ce qu'il est plus naturel pour toi? Bah, l'autre. La plus l'autre. Gotta find a way, or it will be the death of me. C'est pas très naturel tout ça. You try to shut me down, oh why can't you let me be? Je vais arrêter là, sinon j'aurai plus de voix pour le concert. Voilà. Du coup, on va passer à la deuxième chanson. Mais avant ça, on va voir où en est Louis sur les répétitions pour le concert de demain. Parce qu'à chaque fois, les veilles de concert, on se refait tout le concert d'une traite, juste pour checker les guitares, voir si tout est resté bien en tête. Ça reste en tête ? Oui. Tu te souviens de tout ? Je suis à la fin. T'as donné, t'es en rubis. M'éloigner complètement, je me sens mourir. Et revivre en même temps. Les insomnies bercent les nuits d'une infinie monotonie. Dans le sablier, dans le sablier. Sans capot. Tu te réveilles un beau jour. Je crois tout simplement comme ça. Tout simplement. C'est dommage, c'est dommage. Je nageais à tes côtés. Tu viens écouter ? Ouais, après on va faire un tour. Oui. Ce que j'ai révisé, moi, c'était mon programme de la journée. Là, là. La coucou guitare. Bébé, viens dire bonjour à la caméra. Vas-y, il faut qu'on réduise les affaires. Bonjour la caméra. T'es mon amour, t'es ma vie. Je t'aime à la folie. Ah, ah dégueu. Mais en même temps, tu l'as pris dans tes bras. C'est top. Je trouve ça bien, ouais. Ça s'enchaîne bien avec leur partie. Il y a des projecteurs qui réchauffent mon cœur. Moi, je n'ai plus jamais peur. J'ai trouvé le sens de la raison qui t'entraîne. Chaque pas sur le devant de la scène. J'ai trouvé le tour de la vie. Je savais qu'il y avait un truc louche. Cet arrêt était bizarre. Oh. Tiens. Wow. Il est super tôt. Il est... Quelle heure il est ? 9h14. Je sais pas c'est quand la dernière fois qu'on s'est levé avant 9h. On part pour un concert de 1h30 en acoustique à la base aéronavale de Landbouy. C'est un set généralement qui mêle compo et reprise, tout en acoustique, et c'est assez smooth. Du coup les gens peuvent manger, parler en même temps, tout ça. Du coup voilà, on nous appelle souvent pour ce genre d'événement. Ça va être chouette, moi j'ai pas tout à fait ma voix entièrement, mais du coup j'ai pas trop chanté hier pour essayer de la garder au maximum aujourd'hui. Et on est parti pour 40 minutes de route. On pourra pas emmener la caméra avec nous parce que c'est interdit. On vous racontera après comment ça s'est passé. Faut qu'on y aille. Hein. Il faut qu'on y aille. À toutes. C'est tu récap ou c'est moi qui récap? C'est bon, c'est toi. D'accord. Le concert s'est très bien passé. Oui. Il y avait... À la base navale de Landbouy. La base navale de Landbouy. Ah. Donc, c'était trop bien. Eux, ils étaient vachement contents aussi. Il y avait un peu plus de 200 personnes, je crois. C'était chouette. Et on c'était a bien chouette. Mangé. Et on est fatigués parce qu'on s'est levé. C'est ça, c'est bizarre. On a fait tant que cette chose et il fait encore jour. C'est étonnant. Et donc, du coup, maintenant, on va... aller travailler sur tous les petites choses qu'il y a à prévoir pour la sortie de Il pleut ce soir à minuit. C'est ça ? C'est ça. Faut que tu ouvres ton calendrier. Oh, j'avais complètement oublié. Qu'est-ce que c'est ? C'est un chocolat chaud ! Oui !
Je savais. Oh bah, en plus, tout à l'heure, je t'ai dit. Mais oui, surtout, ça m'a fait rire. C'est improbable. En rentrant du coup du concert, j'étais dans la voiture, j'ai dit, oh, on va bosser avec un petit chocolat chaud. Alors que je bois du chocolat chaud, genre une fois par mois. Génial. Allez, ciao. Oui. 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 T'es toute mouillée. Oh non. Allez, pose-toi et sèche-toi. Ah. Et c'est secoué. Ah, dégueu. Mais après, elle est pas si sale. Oh, elle est trop contente. Pipine. On est en train d'envoyer plein de mails pour mettre les chansons qui sont dans un style EDM, donc dance, qui sont sur le profil Lunis, les mettre sur le profil Nito Ona, parce que sur Lunis, on a envie de garder que vraiment les morceaux pop. Donc là, on est en train de contacter tous les labels avec qui on avait sorti des musiques dance, avant que Nito Ona existe, en fait, puisqu'on a créé Nito Ona, justement, pour faire de la dance. Comme ça, on aura notre projet dance, exclusivement, et notre projet pop, Lunis. Voilà. Et là, on est arrivé à Last Christmas, Hot Girl Bummer sur Black and White. Donc on envoie à Marc. Après, on avait mis Toxic Deathbed, California Dreaming, Faded pour Bézomorph. Ouais, c'est fait. On avait déjà fait. Donc, ça fait un bail qu'on n'est pas allé sur le Google Keep. Depuis le premier vlog, en vrai, non ? Je crois qu'en vrai, ouais, c'est depuis le premier vlog. Donc ça fait 10 semaines. 10 semaines. Qu'on n'est pas allé sur le Google Keep et qu'il faut qu'on mette à jour des trucs là. Top Line Steve Aoki, c'est toujours d'actualité. Finaliser Boris Way, c'est en cours. Finaliser Invisible Stirner. Faut pas que tu le relances ? Si. Tu le fais direct ? Ouais. Ok, tu me dis quand c'est fait. Bah, ça, je me disais, on peut réécouter la musique. Parce que donc, Arthur, il disait, on pouvait proposer à d'autres labels. Mais il faut qu'on voit quel label peut correspondre, quoi. Ah, c'est la boîte de Night ! Damn. Du coup, c'était ça, tu vois. Bah, sinon, l'Outcult, hein, aussi. Je pense que ça peut leur correspondre aussi. Allez, on propose à l'Outcut. Voix Hollow. Du coup, voix Hollow, j'enlève voix et je mets finaliser Hollow, puisqu'on a fait les voix. Dans les covers, on avait finalisé Gabri Ponté. Faut pas le relancer, je sais pas, ça fait combien de temps ? Bah, après, ils ont dit qu'ils avaient commencé le, tu sais, le process de clearance. Ah oui. C'est qu'ils attendent. Ok, ils sont en train de clearer. Finaliser Good In Goodbye. C'est bon. C'est fini ? Oui. Bah, contrat. Ça sort, oui. Ça sort une semaine. Et hop, on coche. Meilleure crêpe de l'histoire des crêpes. C'est les crêpes de saveur gourmande à Fouesnant. Les crêpes aux pépites de chocolat. Est-ce que c'est pas les meilleures crêpes ? C'est les meilleures de l'histoire des crêpes. Regardez-moi cette crêpe. On a envoyé combien de messages ? Ouf. Ce soir, je sais pas, 25-30. Eh ben, dis donc. Je pense, non ? Quand tout le monde va répondre en même temps, ça va être drôle. 5 mois d'ouvrir ! Ah oui ! La copine. Mais attends, du coup, je vais changer de chaussette. Alors, quoi de neuf aujourd'hui ? Bah aujourd'hui, c'est sorti de Hitler. Tout à fait des réseaux sociaux toute la journée comme un taré. Et puis, on a fait 15 km en courant. Ouais, soit toi 15, moi 13 et demi, mais oui. On s'est pris une drache monumentale en plein milieu. Du coup, je me suis arrêtée sous un arbre, Louis il a continué, tel un valeureux guerrier. J'étais trop. Et sinon, on a reçu ça. Ah oui. Parce que ça faisait longtemps que je les avais vus. C'est les bouchons d'oreilles de la marque Loop. Et Louis, vu que ses bouchons d'oreilles commençaient à être fatigués, parce que pour ceux qui ne savent pas, Louis porte des bouchons tous les jours. Parce que monsieur est hyper acousique en extérieur. Ah, il ne porte pas à la maison. Parce que je suis discrète, telle une petite souris. Ça fait longtemps que je les suis, mais en fait ils font des bouchons d'oreilles qui sont vraiment trop mimi. Voilà, c'est des petits bouchons comme ça. Normalement ils filtrent le son, après du coup il faut que je vois si... Si ça déforme pas trop. Ouais, parce que jusqu'à aujourd'hui j'avais des Earsonics, c'est des bouchons qui sont moulés à tes oreilles. Et qui filtrent aussi le son, ils étaient plutôt pas mal, mais là ils commencent à être sacrément vieux. Et ouais. Au bout d'un moment, bah, comme tout ça vieillit et puis du coup le son est altéré quoi. Donc ceux-là je vais les tester pour voir si ça marche bien. Et puis voilà, bah, si ça marche bien tant mieux. Si ça marche pas hyper bien, c'est pas grave, je pense que je les utiliserai quand j'ai envie d'être swag. Et je reprendrai des souples chez Audica je pense. Mais bon, ceux-là seront peut-être très très bien. Donc on vous dira si ceux-là sont très très bien. On n'est pas sponsor par la marque hein. Non, pas du tout. On pourrait croire. Elle est trop mignonne. T'es belle.
trop mignon. T'es un bébé. Jour numéro 9. Il est lourd. Je crois que je suis. C'est des glaçons, mais en pierre. Oui. C'est trop bien. Merci. La classe. On vient de recevoir le mix du mauvais choix par Sébastien Leroux. Et c'est trop bien. J'ai quasiment rien à dire. Juste le riff de guitare principale sur le refrain que j'aurais vu plus fort. Et une petite crash inverse que j'aurais vu un peu moins forte. En vrai, c'est trop bien. Je vais vous montrer un petit bout. Comme ça, vous allez pouvoir commencer trop. Comme ça, vous allez pouvoir voir comment c'est trop bien. Méga trop cool, bravo Seb encore une fois, on peut applaudir Seb. Alors explique-nous ce que t'as fait. J'ai fait la sirène toute l'après-midi. C'est pas vrai. Si, j'ai fait ça. Non. Mais en vrai t'as fait quoi? J'ai fait la sirène. Mais non, j'ai arrête même chanté. Quoi? Léné. Il y a un écho, je crois. Mais je pourrais partir là-bas. Sinon, il s'agirait de vous expliquer ce que t'as fait. On avait fait une captation l'été dernier au festival L'Irréductible et on n'avait pas eu le temps jusqu'ici de faire le montage. Et aujourd'hui, j'ai fait le montage de la chanson Il pleut. Donc on va partager ça bientôt. Voilà. Après, je vais faire les talons. Mettre un petit côté un peu VHS, un peu vieux. Genre Woodstock. Et si tu fais les talons, moi, je te conseille d'avant ça, faire la sirène. D'accord. Je peux. Comme j'ai bossé sur la vidéo de l'UNIS et que j'étais motivé, je me suis dit je vais enchaîner sur une vidéo live de Nitona qu'on avait fait aussi l'été dernier. Donc là j'ai fait le montage de Hate You, c'est notre morceau original qui marche le mieux sur Spotify, donc ça peut être cool de mettre une vidéo live. Donc là on mettra ça très bientôt je pense. Et la vidéo elle est très très cool. Donc j'ai hâte de partager ça. Tu veux venir voir? Elle arrive. On va compter le temps qu'elle met à arriver. Oh. Je suis là. 20 secondes. Quoi? C'est un record. Pourquoi? Je m'attendais à que ça dure vachement longtemps et pourquoi? Non. Pourquoi? Je sais pas, parce que t'es en train de faire un truc. Bah oui, ça tombait pile quand je finissais. Du coup t'as battu le record, je pense que j'aurais du mal à battre ce record si tu fais ça. C'est trop bien! C'était stylé, ça donne envie d'en faire d'autres. Tu veux écouter ce que j'ai fait? J'ai enregistré. C'est quoi? Je veux. Ça va être drôle. Ouais. C'est pas tes voix dev, si? Si. Ah oui, t'as fait les devs direct? Bah oui. Ok, vas-y. Donne-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donne-moi une limousine, j'en ferai quoi? Pa-pa-la-pa-pa-pa-la. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent. I want a drink, one coke please, and a small beer. C'est bien, hein? Ben oui. Je m'attendais pas. Tu t'attendais à ce que ce soit nul? Non, mais parce que je t'ai jamais entendu chanter ce genre de chanson. Et que c'est pas du tout là qu'on t'attend. Ah non. De la façon dont tu l'as chanté, ça le ramène dans ton univers. Ça marche trop bien. C'est pile ça que j'avais en tête, mais en moins bien. En fait. Non, mais parce que j'avais plus ça en tête, mais sauf que t'as rajouté plein de trucs trop stylés. T'as mis des petits vibrato, des trucs que tu fais pas d'habitude là, dans des mots et tout, plein de trucs trop stylés comme ça. Et aussi les vibes et tout ça, elles sont trop stylées. Oh, c'était dur à faire ça. C'est trop bien. Je pense que Bézomorph, il va kiffer. Remets. Donne-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. C'est cool, hein? C'est cool. Franchement, allez, moi je m'en vais. Salut, bonne nuit. Salut.